Salut les collègues! Après plusieurs semaines de télétravail, nous pouvons petit à petit reprendre le chemin du bureau. Bien sûr, quelques aménagements ont dû être mis en place pour nous accueillir dans des conditions optimales et garantir notre sécurité et notre santé. Travailler dans un bâtiment administratif dans les prochaines semaines, ça ressemble à quoi? Eh bien, suivez-moi, je vous montre. Salut Gérit, comment ça va? Alors, si vous devez prendre l'ascenseur, c'est une seule personne à la fois et on utilise son stylo pour le bouton. À chaque étage, un sens de la circulation a été mis en place. Le marquage au sol nous indique la direction à emprunter pour éviter de se croiser dans des espaces exigus. On risque un petit peu de se tromper au début, mais vous allez voir, ça deviendra finalement un réflexe. Hello, hello, Barbara. Hey, Aurélie. Blij om jou terug te zien. Zullen we hier? Waar mag ik gaan zitten? Wel, de plaats waar ik kan gaan zitten is aangegeven met een groene sticker. Waar je niet mag gaan zitten met een rode sticker. En dus we hebben altijd gezorgd dat er minstens 1,5 meter afstand is tussen de werkplaatsen. En dus zitten we ook diagonaal. Dus jij hebt daar een plaatje vrij. Dus daar mag je gerust plaatsnemen. Oké, en dat is wel heel praktisch, hein, die stickers. Ja, absoluut. Dans les petites salles de réunion, ce sera une personne à la fois et du désinfectant sera mis à votre disposition pour nettoyer les tables. Allez, c'est l'heure d'un petit café et j'ai rendez-vous avec Julie. Salut Julie, ça va? Salut Aurélie, ça va et toi? Oui, tu as le temps pour un café? Oui, oui. D'abord, quelles sont les règles à respecter dans ces espaces partagés? Tout d'abord, si tu n'es pas passé par un sanitaire ou une kitchenette pour te laver les mains, tu peux te désinfecter les mains avec ce qu'on a mis à disposition ici au Coffee Corner. Et après, il faudra aussi désinfecter tout ce que tu vas toucher, donc les surfaces de contact sur la machine à café ou aussi à l'endroit où tu vas t'installer sur le Coffee Corner. Et les tasses ont été remplacées par des gobelets. C'est ça. Heureusement, on peut toujours profiter d'une petite pause café entre collègues. Oui, bien sûr, toujours en respectant la distance minimale d'1,50 m. Dag Dani, dat is goed. Rolly, goedemiddag. Ik ben blij om jou terug te zien. Ik ben ook onder de indruk van wat jullie hebben kunnen realiseren op een paar dagen. Wat zijn eigenlijk de next step van het terugkeren op het werk? We zijn gestart met testen op 2 verdiepingen en daarna een debriefing om toch alle pijnpunten weg te werken. En daarna zijn we de uitrol gestart op de andere sites. Dit moet toelaten om ongeveer aan een kleine 300 mensen terug te keren naar het werk. En is de terugkeer verplicht? De mensen mogen vrijblijvend terugkeren. Mensen die kunnen en mensen die willen zijn welkom. We bieden ongeveer met de uitrol aan een kleine 300 mensen de kans om terug te keren, zodanig dat de bureaus volzet zijn. En zal vergaderen mogelijk zijn? Vergaderen kan. Zoals je ziet is het aantal stoelen in de vergaderzaal wel beperkt. We werken aan een oplossing om meer stoelen nog bij te plaatsen, meer tafels bij te plaatsen, om toch met voldoende mensen te kunnen vergaderen. Oké. Het is wel mooi aangeduid, hè? We hebben doorheen het gebouw inderdaad overal affiches opgehangen, zowel in de vergaderzalen, aan de vergaderzalen buiten en in de gangen, om iedereen attent te maken op de richtlijnen die moeten gevolgd worden. Il est midi et je commence à avoir un petit peu faim. Allons voir au mess comment ça se passe. Mais attention, si vous empruntez les escaliers, certaines cages d'escalier sont réservées pour monter et d'autres pour descendre. Dans un premier temps, au restaurant, l'offre sera limitée. Vous pourrez continuer à commander un sandwich et la soupe sera servie au comptoir. Je pourrais avoir une soupe, s'il te plaît ? Et pour le paiement, ce sera soit avec votre badge ou votre carte Sodexo. Et pour éviter les files, la plage horaire sera élargie. Vous pourrez accéder au restaurant d'entreprise de 11h à 13h30. Voilà, les bureaux sont prêts à vous recevoir, même si dans un premier temps, le télétravail reste la norme. Après tout, chacun doit se sentir confortable avec le choix qu'il fera dans les prochains jours. Hallo, mag ik 2 minuutjes storen? Ja, zijn jullie blij om elkaar terug te zien? Ja, heel blij. Inderdaad, ik zie blije gezichten. En Chris, hoe verloop je dag tot nu toe? Ik moet zeggen, heel goed. Ja, ik ben vanochtend toegekomen, heb dan een tour gedaan door het 6e en het 7e verdiep. En ik zie dat de mensen van Facilities in de Taskforce hard gewerkt hebben. Alles is mooi aangebracht, hygiënemaatregelen zijn ook genomen. Er zijn overal gels en pijlen van hoe dat we moeten rondlopen in dit gebouw.
Ik denk dat de mensen effectief in veiligheid kunnen terugkomen. En ik zie er ook naar uit dat ze terugkomen, dat ik ze terug in persoon kan zien en dat we terug samen kunnen werken. Dat zal stapsgewijs gebeuren, maar ik zie er toch al naar uit, ja. Ja, inderdaad. Alles staat klaar. En in het begin zal het even wennen zijn, hè, Peter. Maar het is wel noodzakelijk. Het is noodzakelijk, maar we mogen toch niet vergeten, het bedrijf draait rond de mensen. En mensen willen praten met elkaar, willen elkaar zien. Maar zoals Chris zei, we doen het wel in veiligheid natuurlijk. Dus volg het circulatieplan. Het is even wennen, maar het zit goed in elkaar. Hou je er alsjeblieft aan, dan kan alles goed in veiligheid verlopen. We zullen het zeker doen. Ik laat jullie. Dank je wel. Dag. Alors, si vous avez encore des questions sur le retour au travail, n'hésitez pas, com.elia@elia.be. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. À très bientôt.